Bonjour, bienvenue dans ma voiture. J'ai d'ailleurs pris le temps de faire le ménage pour vous. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Avez-vous remarqué, les chums, c'est rendu summertime. Ça veut dire que c'est l'été. Ouais, c'est ça la traduction française, évidemment. Je vous entends à l'oreille me dire, mais qui dit summertime, Cassandra dit bien évidemment défi mode. Oh que oui, parce que le summertime vient avec le mot fashion. C'est évident, c'est une évidence. Mais summertime, et là je vous entends me dire, qu'est-ce qu'elle va dire encore, la chum? Fait 20 fois qu'elle nous parle de summer. Mais summertime ne vient pas juste avec fashion, vient aussi avec Extra Slutch! Oui! Je suis full contente de collaborer avec Extra Slut sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on a du pain sur la planche et quoi de mieux qu'un petit rafraîchissement avant de commencer un gros challenge d'envergure internationale. Oh, j'ai pogné un brain freeze. En ce moment, il y a une promotion vraiment nice dans les dépanneurs voisins jusqu'au 30 juin si tu t'y rends. Ça, c'est toi qui seras au dépanneur voisin. Avec une perruque orange, eh ben, crée-le ou non, tu reçois une slutch gratuite. Gratuit. Genre, je veux dire, moi, je l'ai toujours dit, ce qui est gratuit n'est pas cher. C'est économique et on aime ça. Delicious. Je sais pas si vous vous souvenez quand que j'ai lancé le défi à mon copain qu'on aille magasiner l'un pour l'autre sans budget dans les magasins. C'était une drôle d'expérience. C'est une expérience qui m'avait coûté 1 200 $. J'ai donc voulu reproduire l'expérience avec ma meilleure amie, mais en nous mettant des budgets, hein, parce que je veux dire, j'ai pas 1 200 $ à gaspiller aujourd'hui. Ben non, malheureusement. Fait qu'on s'en va direction les magasins pour trouver 2 outfits à ma meilleure amie. Le premier outfit sera un outfit summer de tous les jours. Quelque chose de confortable. Tu te sens belle, mais que tu te sens bien aussi. Parce que c'est vraiment important de se sentir confortable dans ses vêtements, pas juste de flasher. Et deuxième outfit, un outfit plus glamorous. C'est un outfit de soirée. Je vous amène avec moi, j'espère vraiment trouver ces 2 outfits pour Caro. J'espère qu'elle va les aimer. Surtout, j'espère que je vais respecter mon budget parce que là, je nous ai mis un budget pour 2 outfits de 150 $ chaque. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Caro va m'avoir trouvé. Je me demande qui va avoir plus relevé le défi, moi ou Caro. Écrivez dans les commentaires, vous guessez qui? Est-ce que vous guessez que c'est moi ou est-ce que vous guessez que c'est Caro qui va avoir plus relevé le défi? Suspense. Direction les magasins! Est-ce que ça a été difficile? Ça a été difficile! Puis j'ai acheté plein de gros! Ouh! J'ai trop hâte de voir! J'ai trop hâte de te montrer! Regarde-moi qu'est-ce que j'ai! Oh mon dieu! Wouhou! Ouais, je sais, ça a vraiment été difficile! Ok, on se rejoint chez toi! Bye! J'ai tellement hâte! La gang! Salut la gang! C'est Cassandra et Caroline, son acolyte! C'est encore moi! T'as dit sur la colline? Compris, c'est Cassandra et Caroline sur la colline! Je te jure, c'est pas si son acolyte! Faut dire que Caro, elle magasine tout le temps au H&M, fait qu'elle a magasiné pour moi au H&M, fait qu'elle guess qu'elle a magasiné pour elle, puis elle s'est dit, on va faire un semblant que c'est pour elle dans la vidéo, non, vraiment pas. Non, vraiment pas, je te jure! Ah ouais. Oui, je me suis quand même forcée, là! Ok! Une fois que je me suis dit, je le porterai. Si elle l'aime pas, moi, je serais pas autant. C'est ça, mais, okay. Mais par exemple, la plupart du temps, je pense un peu plus à toi qu'à moi. La plupart du temps! Ça, c'est me confirmer qu'elle n'a pas pensé exclusivement à moi. Mais avoue que c'est dur. Vraiment. C'est vraiment tough, je trouve, de magasiner l'une pour l'autre. Vraiment. Je ressentais un peu comme ta toile que je t'ai fait, genre. Tu sais, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, genre, faut que tu te détaches. Parce que sinon, c'est trop dur de ça. Tu t'attaches, tu sais. Tu t'attaches à toi, tu t'attaches aux vêtements. C'est dur! Mais vu que je t'aime. Je vais juste vous faire une confidence. Pas une confidence. Je serais quand même déçue qu'elle aime ce que j'ai acheté. Oh! Ça m'a coûté 167. Ah, c'est pas si pire! T'as 17 $ en haut! Moi, ça a vraiment été difficile, là, genre. Puis en plus, moi, les cabines essayages étaient ouvertes. Fait que j'ai essayé les outfits. Puis tu sais, je sais un peu. Moi, puis Caro, on est vraiment pas fait pareil. Vraiment plus grande, plus élancée. Moi, je suis plus petite. Ouh! Vraiment pas forte. Mais bref, sur moi, les outfits, ça le faisait pas du tout. Puis j'ai plus de 5 carreaux, puis comme, je flottais dedans. Mon outfit chic a vraiment été difficile à trouver. Dernière minute, je me suis revirée de bord, j'ai trouvé ça, puis j'étais comme, ça va être ça. Écoutez, ça a été difficile, mais on a donné notre 110% et nous sommes maintenant prêtes à nous révéler. Et les autres filles! On commence avec lequel? L'outfit de tous les jours. Ah, j'ai fait un pet demain. T'as entendu? Il faut savoir, la gang aussi, en ce moment, il y a des bonnes nouvelles. Le confinement s'enligne vers la fin, là. C'est quoi la bonne nouvelle? Pourquoi on parle de... Non mais, je veux dire, dans le sens où nous pourrons bientôt sortir dans les bars! Ah oui! Fait qu'on s'est comme créé un outfit pour notre première soirée de bar. Ouais, notre première sortie... The Girls' Night. Are you ready? I'm so ready. Ok, qui commence? On fait rache-papier, c'est moi qui commence? Oh my god! Ma chum, je t'offre un piece qui va te mettre hors de ta zone de confort. Ta zone de confort? Il est ici.
ton outfit est ici. Ta zone de confort ici. Ok, mais mettons si j'essaie de me donner une petite idée. C'est sûr que c'est vraiment coloré. Non. Tu portes pas tant de motifs dans vie. Okay. Et tu portes pas tant de robes. Ok, c'est une robe à motifs. C'est une robe à motifs. Mais, ouais. Tada! C'est une robe. Wow! Mais tu l'aimes? Je te jure que oui. Vraiment, genre je la porterais là. No joke! Mais genre, je me disais, ça te sent, tu sais, c'est fucking shit. Parce que c'est pas moi. Shit. J'ai peint ta machine. Oui, pareil, mais j'adore. Mais tu sais, c'est plus mon style. Mais tu sais, mettons, tu serais moins surprise de me voir arriver avec ça. Tu comprends? Mais en fait, la seule chose qui fait que je l'aime pas, c'est si elle est trop moulante. Je comprends. Mais genre, je la trouve magnifique. Ah, je suis dans mes. J'aime full ça. Je la porterais. Ouh! Elle m'a coûté 50$. Mais j'ai l'impression que tu sais, tu te serais pas acheté ça, vêtement. Non. J'aurais jamais acheté une robe à 60$. Mais c'est ce que je trouve cool de ces vidéos-là. Vraiment. J'avoue, je me l'aurais pas alors pas acheté. Mais honnêtement, je trouve qu'elle est cool. Ok, mais je vais te montrer. Ok, mais attends. Dans fond, moi, mon outfit de soirée, c'est 3 morceaux. Ok. Ah, je suis excitée. En vrai, c'est Noël. J'aime trop ça, faire ces vidéos-là. Moi, j'aime trop ça aussi, faire ces vidéos-là. On l'a fait tout le temps. Ok. Je peux ouvrir mes yeux? Oui. Ah, mais c'est pas les pantalons que tu. Oui! Oh! Attends. Oh non! Impossible! Ok, attendez la gueule. J'ai tellement aimé ça que tu y ailles, puis que tu voulais en plus, j'y ai tellement pensé. C'est parenthèse, pour ceux qui comprennent pas la maison. Et c'est qu'il y a une nouvelle collection chez H&M, puis Kawa est pas tant couleur dans vie, mais elle a vu la collection, elle était sold out le lendemain. Genre, elle me l'a montré, elle était comme, je voulais tout m'acheter. Je pleurais, là, j'étais comme, ouais. Je trippe. Genre, pis tu sais, je suis pas couleur, mais comme le petit top. Ah, c'est tellement drôle. Avec les chiens. Elle a clairement pas acheté ça pour moi, la gang, on va dire les vraies choses. Non, mais elle believe que ça me fait pas. En fait, premièrement, je te vois vraiment avec ça. Okay. Quand même. Puis j'ai dit, par exemple, si elle l'aime pas, je suis contente parce que moi, je l'adore. Mais là, attends, là, j'étais comme, c'est vraiment cute, c'est vraiment beau. Mm-hmm. Mais là, j'ai trouvé la pièce de résistance. Mais il est magnifique, là. Tu l'aimes pas? Je l'aime. Pourrais j'essaye. Mais attends, tu vois, je pense que comme, j'imagine ça avec ça, puis mettons, avec ça, je suis pas. Mettons avec un jeans. Ouais, ça pourrait être beau aussi. Vraiment. Tu sais, ouais. Je me suis dit. Mettons, je pense que peut-être ça, puis ça, puis ça, je trouve que ça fait un petit peu intense. Ça fait. Mais on parlait d'une soirée de bar. Ça a dit que ça faisait un an qu'on n'était pas allé au bar. C'est dit, ça a dit, c'est moi. Ça a dit que ça faisait un an qu'on avait pas été au bar. Tu veux être flawless? T'as pas sorti ta robe de balle, mais t'as sorti tes couleurs pastel. Non, je suis un perroquet. T'as sorti tes couleurs pastel? En tout cas, s'il fait pas, moi, il va me faire, c'est sûr. On s'en va des nouvelles, alors je vais vous confirmer qui a gardé quoi, ok? En fait, je vais vous confirmer. Je pense que Cass l'a fait essayer mes outfits que je t'ai acheté, puis on switch à vous. Ah oui, on va faire ça, ça! Ah oui, on va faire ça, puis vous votez dans les commentaires qui va mieux à quoi. Qui est où? Tu veux être combien mon outfit? Ben honnêtement, je trouve que tu t'es donné. Je trouve que tu t'as essayé, genre. Non, mais... T'as vraiment essayé, Non, mais je veux dire... Tu t'es donné, je Mais c'est juste parce que... Bon, on peut-tu dire que ça... Les shorts pis le top ont coûté... Ah, ça a coûté combien? 50$. Ah, c'est pas super. Pis la veste était 40. Ok. Fait que ça a quand même grugé ton budget, ça. Ouais. Pour l'outfit de complet, mettons, je trouve que la veste est trop, sincèrement. Okay. Sincèrement. La vraie vérité, j'aimerais un 7 sur 10. Mais, si mettons t'avais pas la veste, je pense que j'aurais un 8 sur 10. Mais non, t'as donné un 7 sur 10 à mon outfit que je me suis donné 20 sur 10! Ah, c'est bien que t'es donné 20! Oui! J'en reviens pas. Fait que là, on est rendu à la gang au outfit. Day to day. Day to day. C'est un outfit qui est comme, tu sais, ça s'enfile bien. T'es comme, c'est une journée d'été. Tchiki tchiki tchik pou pou. Tchiki tchiki tchik pou. Tchiki tchiki pou pou. Day to day. Tchiki tchiki tchik pou pou. Day to day. Ok. Vas-y, Ok, alors, je dois avouer. Ça, c'est vraiment un outfit que moi, je trouve super pratique à tous les jours de l'été. On s'entend. Pour les journées d'été, qu'est-ce qui est nécessaire? La crème solaire. Une casquette! Oui! Juste 15$! 15$ pour une petite casquette, je l'ai essayé, elle fait super bien. Ah, on dirait que tu joues du golf. Est-ce que vous pouvez apporter jouer au golf ou genre au tennis? Ben, demandez-leur. Est-ce que vous pouvez apporter jouer au golf ou au tennis, s'il vous plaît? Qui dit journée d'été dit tu veux pas... Bronzage! Tu ne veux pas porter un jeans. Tu ne veux pas être serré pis pas confortable dans tes shirts. C'est quelque chose que tu ne veux pas. Tu ne désires pas ça. Un maillot de bain! Tu veux porter une petite shirt confortable! Oui! Elles sont cute! Tellement! Day to day, j'ai envie de mettre des jogging. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça coûtait 29$. C'est cher! Je dois avouer,
J'ai triché car je dois avouer que chez moi, j'avais une camisole qui faisait vraiment l'affaire de ce que je voulais. Je t'offre une camisole de mon chez moi, du H&M, que je n'ai jamais portée et qui va faire parfaitement avec ça. Il s'agit d'une camisole Je l'ai vue! Ah, elle est à l'envers. Bloopers! Mais je l'ai vue! Elle est vraiment simple, mais c'est ça que j'avais besoin pour mon outfit et j'avais déjà dépassé mon budget, donc je recycle. Bref, c'est pas un achat, mais c'est une offre. C'est un ajout. Je te la donne. Je n'ai pas acheté ce morceau aujourd'hui. Je le sais, je vous entends. Je sais que je perds des points. Je vous entends. Non, mais je sais que je perds des points parce que c'est une triche. Mais il fallait. Pour compléter un summer outfit, ça te prend le coton qui fit avec le bas. Le coton! Wow! Quoi? Marge Simpson, la chum. It's cute! T'es full! Quoi? Je veux aller faire du sport! Voyons, ça fait full day to day! Ça fait coton! Day to day, I'm not too much! Party Spice! I'm going on some. If you wanna be my lover, bring me to the tennis course! J'allais payer 60! Parce que c'est un lift! 60! J'ai vraiment hâte que Caro se fasse un boys qui joue au tennis. Fait qu'écrivez dans les commentaires les boys parce que vous êtes nombreux. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, ok? C'est ça l'affaire, c'est que je veux faire. Non, mais là, je me fais une plug pour moi, là. Les filles, je vous adore d'amour. Bah, on vous aime tellement, vous êtes nos best friends. Mais genre, j'ai pas de gars qui me suit sur Instagram. Oh! C'est juste des filles! C'est poche. Mais je vous aime, les filles, je vous adore! Après ça, je me demande pourquoi ça fait 5 ans que je suis une bâtarde. Comment tu donnes à mon outfit, là? La note 3. Non, ça va. Je lui donne un. 6. 6? Ben en fait, je. Attends, tu me donnes. Oh, t'es tranquille! Tu me donnes 6 parce que j'ai donné 7. Non, je vais juste expliquer mon 6. Ok, je vais expliquer mon 6. C'était mon outfit prêt. Je vais expliquer mon 6. Je peux expliquer mon 6. Ben vas-y, là, je vais m'attacher le pantalon, maintenant il est attaché. Mon 6 est dû au fait que la camisole ne lui faisait pas bien, fait qu'elle a dit, je vais lui refiler. Non, c'est à cause de mes tétons, j'ai trop de tétons. Trop de tétons, pas de tétons. Je refile. Non, je sais, je l'ai dit, je pense que c'est parce que j'ai triché. Elle dit, oh non. Je te donne une note aussi basse parce que je trouve que le chandail à 60$ ne valait pas la peine d'être acheté à 60$. Écoute, en friperie, j'en aurais trouvé un bien mieux, mais pour vrai, pour de vrai, personnellement, je l'adore. Comme chose, je vais l'essayer, avec les shorts, je vais être comme moi, c'est beau, puis je vais regarder casse, puis je vais juste te dire 60$ c'est trop cher. Donne-moi une carte cadeau 60$, chercher, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que moi, à savoir que moi et Caro, on est très économes. Puis j'avoue que moi aussi, quand j'ai vu le prix, j'étais comme. C'est ça. C'est plus ça. Je dis 60$. Je dis non. Ah, mais je comprends. Mais casquette, c'est des bons... 15$, je dis oui. Mais c'est des bons arguments, je comprends. T'es prête? Ouais. Alors, pour mon outfit, j'ai voulu y aller avec quelque chose de quand même basic. OK. Mais j'étais avec quelque chose de basic, puis je me suis dit, je vais mettre deux accessoires. Punch! Je m'en attendais pas. J'ai mis deux accessoires qui pensent que ça fait un peu plus funky. OK, ça fait-tu... deux accessoires un peu plus funky. Ok. Mais c'est quelque chose que c'est day to day, là. T'sais. Ben, le bon, moi, là, je parle d'une longue explication. Premier accessoire, du outfit, ferme tes yeux, ouvre-les. Ouais, j'ai fermé. Non. C'est un chapeau? Ah! Il est beau! Il est beau! Un beau chapeau! Un beau chapeau, hein? Mais mon doux, je suis rendue avec un chapeau, la gang. Il est fait beau! Ah, j'ai un chapeau bien! Il va bien. Oui, il fait vraiment bien. Il m'a coûté 14,99 comme la casquette. Oui, ça vaut la peine, ça. Oui. Mais ça, c'est un go-to. Je l'ai essayé dans la voiture en plus parce que j'ai passé au magasin, mais je pense qu'il te fait mieux. Ah, il. Oui. Ben, il va-tu bien? Oui, il va. Parce que quand je regarde, je suis comme. Ben, honnêtement, je me trouve cute dedans. Il est vraiment beau. Je suis vraiment contente. T'es-tu pourquoi il va bien de même? Pourquoi donc? Regarde la caméra. Parce que c'est la même couleur que oui. Et toi, tu fais avec le mur-là? C'est sûr! C'est pour ça. Mais Caro, je dois dire que ce que j'aime du chapeau, c'est qu'il est tout fin. Oui. Fait que c'est vrai que pour un day to day, tu sais, genre, je le sens à peine. Vraiment? Tu peux ouvrir mes yeux? Oui. Oh non, trop mignon! No plans. Oh, ils sont trop mignons. C'est des beaux. Ils sont beaux, ils sont full beaux. Ils sont beaux la couleur. Ben, honnêtement, à date, je suis vraiment contente. Okay. Puis, je suis contente qu'on ait pensé à s'acheter un accessoire de tête. Vraiment? Puis, parce que pour un day to day, ça prend un accessoire de tête. C'est ça. Tu peux ouvrir mes yeux? Oui, vas-y. Tu vas être genre what? What? Ok. Mais c'est un basic noir. Ouais, en effet. Mais t'en as pas. Non, mais je le trouve cute pour moi. Ouais. Ben, en fait, c'est sûr qu'attends, elle va pas crier au meurtre, là. C'est un chandail noir, là. Non, mais je me fais. Hey, à quel point je serais fait d'être comme. Mais. Non. Elle n'en a pas. Ok.
Fait que all black avec les bas mauves et le chapeau jaune. Ok. Je suis en train d'analyser dans ma tête. J'essaie de visualiser. J'avoue que, mettons qu'on oublie les bas, puis qu'on pense à moi, habillé en noir avec un... Je fais abeille. Non, pas du tout. Hey, la gang, écrivez dans les commentaires, je fais abeille, là. J'ai un chapeau jaune avec un kit noir. Je fais abeille, là. Non. J'ai l'impression que je donnerais un genre de 7 encore sur 10. Ouais. Mais comme, ben vraiment, j'ai été très contente du chapeau. Le chapeau fait le 6, le 1, c'est le reste du outfit. Non, mais comme, c'est les bas plus... Je trouve ça bizarre qu'il y ait comme un pop sur mes pieds, un pop sur ma tête, mais tout le reste noir. On dirait même tout blanc, j'aurais trouvé ça moins pire. Non, je suis sûre que tu vas l'essayer parce que je l'ai vu. J'ai hâte d'essayer puis de voir. Mais là, on va essayer puis on revient. On vous revient avec le verdict final. Fait qu'on fait ça. Oui, ok. J'essaye mes deux morceaux qu'elle m'a acheté. Ouais, t'essayes tes deux morceaux. Ok, on switch. Ok! When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better off. When I look at what I've done, now that we are apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off. And baby, you don't belong. I could feel it. Alors l'équipe, ce soir, comment qu'on fonctionne? On va avoir le plan de match. Le plan de match, ça marche comme ci. Il va avoir l'équipe des bleus à gauche et l'équipe des rouges à droite. Alors on va y aller comme ça. Yeah! Now it's time for the verdict. The verdict. Come baby, come! Maintenant que nous avons essayé tous les vêtements, soyons franches, on est en terrain confortable. Je suis avec ma meilleure amie. Cassandra n'a pas l'air d'une soccer mom qui s'en va porter ses enfants au soccer. Je dois être franche, je me sentais plus à l'aise dans mes propres outfits. En fait, les deux outfits que j'étais plus à l'aise, c'est nos deux day to day. Ok. Mais j'ai pas aimé la robe. Je la porterai pas. Non. Mais moi, je l'aimais, honnêtement. Ouais, elle te faisait bien pour ouais, moi. Oui, je l'aimais full. Mais est-ce que t'étais confortable dans l'outfit? Ouais. Est-ce que tu te trouvais belle? Tu te filais-tu? Me filer? Mais c'est le grand mot, hein? Était le grand mot. J'étais pas à l'aise dans tes outfits. Mais je t'aime quand même. Moi aussi. Les outfits que j'ai achetés me font peut-être un peu mieux. Oui. Ils font à toi. Puis les outfits que t'as achetés te font mieux à toi. En tout cas, moi, ça, c'est nos feelings. Et ouais. Mets dans les commentaires parce que, tu sais, des fois, on est bien dans notre zone de confort. Puis on veut pas sortir de notre zone de confort. Mais des fois, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Je voulais dire. Écrivez dans les commentaires, peut-être qu'on serait surprise de à quel point ça nous allait bien, mais j'avoue me sentir plus confortable dans cet outfit. Moi, je me sens comme Gilligan en ce moment, là. You are Gilligan. Oui. Et prenons un instant pour remercier Extra Slutch qui a commencé la vidéo. J'avoue que ma slutch, quand je suis sortie du Simons, ma slutch m'attendait et était toujours gelée. Et ça m'a vraiment fait du bien. Fait que on vous aime. Tu les aimes-tu? Oh, vous aimez. Puis oubliez pas d'écrire dans les commentaires vos outfits préférés, puis c'est quoi que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, êtes-vous comme content, êtes-vous pas content, écrivez dans les commentaires, êtes-vous heureux pas heureux. As-tu un mot pour la fin, Carole? J'ai fait. Je vous aime, c'est important. If you like this video, you should subscribe. Oh yeah. Like the video, you can follow her on Instagram. Oh my god. You can follow Paul on Instagram, or you can follow Cédric Lemieux on Instagram, or you can follow me or Batman on Instagram. Thank you for watching.